Et pour commencer cet agenda, tous à vélo. Samedi, on célèbre sa bicyclette en allant pique-niquer sur les bords de Loire. Vous pourrez donc déambuler dans les rues de Tours et même assister avec vos enfants au spectacle de la compagnie « C'est quoi ce cirque ?» donné à la guinguette. Ce week-end, si le soleil n'est pas au rendez-vous, vous pourrez toujours lire au musée Balzac à Saché. Samedi après-midi, la maison d'écrivains vous accueille pour la lecture de la Grande Bretèche et du Père Goriot, deux pépites d'Honoré de Balzac. Et décidément, on célèbre le livre sous toutes ses formes. À Saint-Cyr-sur-Loire, le chapiteau des livres souffle ce samedi sa troisième bougie. À cette occasion, près de 200 auteurs et éditeurs iront à la rencontre de leurs lecteurs au parc de la Pérodière. Au programme, romans, essais et biographies, il y en aura pour tous les goûts. Musique à présent, avec la 10e édition du festival Les Musicales en confluence dès dimanche, au centre d'animation de La Haye à Ballon-Miré. Les écoles de musique de la confluence se rencontrent, dont celle de Saint-Avertin et Vouvray. Et à 14h30, le quatuor de basson du conservatoire à rayonnement régional de Tours se produira. Tours fête les vins avec le festival Vitiloire ce week-end dans les jardins de la préfecture. Au total, 110 vignerons seront présents pour vous inviter à déguster leurs créations. Objectif, vous faire découvrir la richesse des vins de Loire. Si vous avez des idées, c'est le moment de vous lancer. Pour la 15e année consécutive, la municipalité de Mons organise le Salon des jeunes inventeurs et créateurs. Vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs, des entreprises et bien évidemment des inventeurs. Une rencontre destinée aux 11-25 ans, à ne rater sous aucun prétexte. Et l'on termine cet agenda avec des roses, chères mesdemoiselles. Le Festival des Roses de Chédigny baptisera à cette occasion la Rose Jeanne de Chédigny, dimanche après-midi, au Jardin du Presbytère. Vous pourrez humer l'odeur de centaines de roses. Des peintres de rue et des musiciens accompagneront votre parcours. Passez tous un très bon week-end.